Drancy, 15 octobre, 15h, stade Charles Sage. Nous y sommes, Théo. On y est. France contre reste du monde. C'est ici que les étrangers, Théo, vont prendre leur branlée. J'ai croisé Jérôme Pinault, alors le coach des Français. Il était clair. Non. Une déroute pour le reste du monde. Tu peux pas dire ça ici, c'est pas possible. Rien que Pozzato. Tu sais ce que ça veut dire le foot en Italie ? Pozzato, il va arriver, il va tous vous éclater. Et en plus, il a ramené ses copains avec. Mais il y a Nocentini, mais il y a des Belges, il y a des Hollandais. Mais, franchement, c'est foutu. Ton équipe du reste du monde, Théo, c'est-à-dire ton équipe du reste du monde par rapport à la dernière édition, il n'y a que 4 c'est coureurs. C'est pas grave, là. Mais là, il y a plus. Allaire, il est plus là. Lobato qui a planté 4 buts la dernière édition du grand match, il n'est pas là en Chine. Pareil, Allaire, pareil en Chine. Il en manque plein. Les Français se connaissent. Ils jouent ensemble. Thibaut Pinot, Anthony Roux qui intègre l'équipe cette année. Erwan Corbel, c'est les yeux de l'équipe de France. Tu sais qu'il a failli être pro au Stade Rennais, Corbel. Il était plus pro il y a 2 ans. Là, il est revenu pro, il revient au grand match. Ça va être l'œil de l'équipe de France. En attaque, Thibaut Pinot, 4 buts en 2 matchs. Mais il y a 2 ans, c'était pas connu le match. Là, c'est connu. Cette année, on va avoir plein de monde. Ils ont tous demandé à venir, les étrangers. Ils sont entraînés. Il y en a certains qui n'ont même pas pratiqué le cyclisme. Rien que pour s'entraîner pour le match. Jens Moritz, 1,97 devant le but, peut-être. Oui. Peut-être. Alors là, mais c'est pas Samuel Dumoulin qui sera dans les buts. Parce que Samuel Dumoulin, sur les côtés, avec Coquart. Exceptionnel. Coquart. Non, il déborde, ça centre. Bam, dit Grégorio de la tête. But, comme à Nice. Charles Herman, à Nice, avait planté un but, Rémi de la tête. Tu vas voir. Et en plus, le gros plus de l'équipe de France cette année, je te le dis, Théo, c'est la charnière. Avant, on avait Engoulevent et Alex Blin. Ils sont pas là. Engoulevent est en retraite et Alex Blin fait un triathlon. Qui c'est qui remplace? Alex Pichot. Tony Gallopin, 5 ans au foot numéro 4, Tony Gallopin. Non. Ah, tu vas voir. Ils sont gentils, les Français. Moi, je les aime beaucoup. Franchement, je les aime beaucoup, je les supporte sur le vélo. Mais au foot, je les supporte pas, c'est pas possible. Je supporte les étrangers, ils vont être là, ils vont être présents, ils vont faire vibrer toute la tribune. Et quand, à la fin du match, l'équipe étrangère va gagner, on serra une bonne poignée de main et puis on ira boire un petit coup au Clubhouse. Et je t'en voudrai même pas, mon Nicolas. Il n'y a pas de souci. On verra ça. Allez. Rendez-vous. Sur le coup, 16h30 le 15, ça marche. Et puis on va voir une petite coupe de champagne pour la grosse défaite de l'équipe du reste du monde.